travers Canal Jeune Yo là, à travers ensemble de jeunes dans le département de l'Ouest la rive, mais tête yo ensemble, à travers organisation yo, parce que en pile analyse faite, en pile parler faite sur des points essentiels qui permettent Jeune Yo éviter de tomber dans piège à cause de violence qu'a faite dans chaque élection qui souvent faite dans le pays, mais surtout dans le département de l'Ouest. 17 décembre 2023, nous avons fait une table ronde dans l'hôtel Le Plaza, côté plus de 22 organisations qui arrivaient réunies qui ont encouragé la participation politique jeune à réduction de violence électorale dans le département de l'Ouest. Nous avons arrivé opté pour une méthode participative qui était chita sous compréhension dynamique jeune dans le département de l'Ouest là, à travers l'association SAYO qui permet que jodi an nou kapab wè yon échantillon de 30 jeunes organisations qui étaient sélectionnées pour bay résultat avec travail ça. Et bien agenda ça rivé identifier yon paquet de problèmes qui empêchaient que élection yo passé bien dans pays a et li wè aussi bien exclusivité qui fait dans affaires politiques souterrain qui fait que jeune yo manqué prend engagement dans pays yo pour bien-être pays yo. Une série activité n'a gagné. C'est pour nous capables d'arriver à gagner une nouvelle génération de femmes et garçons qui sont responsables. Comme ça, le premier bagage que nous avons pour nous faire, c'est une campagne de sensibilisation pour nous capables mieux comprendre et puis connaître qui ça institution l'État et puis vie démocratique là et qui ça éthique politique là. Nous avons gagné pour nous faire en deuxième partie former jeunes sur un ensemble de thèmes qui lient à gouvernance, leadership et puis suivi. Troisième bagaille n'a bien pour nous faire, c'est renforcer capacité administrative organisation SAYO qui a aidé jeunes dans la vie politique. Après ça, comme dernière activité n'a bien pour troisième série ça, c'est accompagner initiative qui bail tête yo mission pour capable aider jeunes grandir comme leader sociopolitique honnête, intègre et puis patriote. Activité SAYO va permettre nous gagner comme résultat d'ici l'année 2025. Ça va permettre nous développer une culture démocratique et républicain la caille chaque jeune SAYO côté n'a sensibiliser yo sur valeurs citoyennes yo côté n'a pas apprendre yo tolérer et puis gagner respect sous une leader qui capable différent de leader pa yo. Les n'a gardé journée jeudi a presque nous capable dire moun yo pa gagne liberté parole. Si on moun dit un bagage qui contraire des pam nan, c'est comme si me senti me ciblé, c'est comme si me senti ça le dit a pa gagne place. Donc nous pral aider jeunes ça pendant n'a sensibiliser pour capable tolérer prochain roi. L'autre bagage ça va permettre nous abouti comme résultat, c'est augmenter quantité organisation jeunes qui impliqué dans travail social dans pays a. N'a pral améliorer pensez population sous ça qui gagne avec ak politique haïtien. Nous tout qui là nous connaît que politique haïtien soulever un pile méfiance la caille nous côté les élections nous ça pas même bien envie à voter. L'autre bagaille n'a bien comme résultat c'est ouvrir un grand cadre pour l'autre leader qui responsable qui honnête et puis qui gagne sens service civique. C'est pour nous capables de gagner un environnement politique sans violence. C'est créer un conseil de sécurité pour nous capables d'aboutir à un processus électoral là avant, pendant et puis après. Nous avons gagné pour nous développer des outils et des mécanismes capables de permettre nous lutter contre vieilles nouvelles ou bien nouvelles qui n'ont aucune véracité là-dedans. Troisième bagage nous avons gagné pour nous faire, c'est constituer une plateforme spécialisée pour le processus électoral. Nous avons gagné pour mettre en place une série de programmes, campagne nationale et puis locale pour nous sensibiliser à culture démocratique là. Ça veut dire culture qui gagne avec débat contradictoire et puis qui sans violence. Nous avons constaté depuis plusieurs années, Haïti a traversé une crise multidimensionnelle qui caractérise non seulement par une violence aiguë, mais par un niveau d'instabilité politique qui affaiblit toute institution républicaine. Violence a eu en pile. Mais nous même dans le cadre de travail ça nous devons faire pour établir agenda ça nous devons chita sur violence politique. Violence politique avec électoral n'est pas seulement faite pendant période d'élection, mais c'est une réalité qui caractérise tout système politique haïtien, non seulement avant élection, pendant et après élection. Violence ça n'a pas sans conséquence sur participation jeune dans politique dans pays. Violence ça li caractérise, li vient induit à méfiance et insensibilité, insensibilité jeune pour politique dans pays. Ça qui veut dire que jeune rive exclu la majorité qui se passe de décision. Malgré jeunes qui ont un potentiel énorme pour le développement avec la paix dans le pays d'Haïti. D'après le travail UNICEF qui fait dans l'année 2019, 54% de la population en Haïti gagne moins que 24 ans.
Malgré ça, jeunes pas suspendus exclus dans la majorité du travail, non seulement dans le domaine politique, mais social et économique du pays. Il y a plusieurs facteurs qui arrivent à favoriser l'exclusion jeune dans la politique dans le pays. Ce n'est pas seulement la violence politique. La perception que la violence est caractéristique politique en Haïti, c'est l'autre facteur clé dans la question de l'exclusion jeune dans la politique. L'agisme qui est ensemble de discrimination, de mépris qui font des soulages. Et il y a des discours qui ont dit que j'ai mieux pour comparer pour prendre ensemble de décisions. Donc nous-mêmes, nous estimons que faut éliminer toute forme de discrimination. Ça. Création d'espaces de solidarité, de transmission intergénérationnelle, c'est important pour que nous solidarisions nous en tant que jeunes. Et en même temps, tout pour nous apprendre à rejoindre grand monde, les gens qui sont passés nous, et puis pour grand monde tout capable de rejoindre nous dans la bataille ça, qui sont bataille qui concerne nous, chaque gagne qui l'a comme ici. Troisièmement, c'est l'utilisation des réseaux sociaux au sein du processus électoral. Quatrièmement, c'est faire le réseautage entre les jeunes acteurs politiques du département de l'Ouest, ce que nous-mêmes nous fait déjà avec un projet Géniola, parce que le réseautage, c'est une meilleure et façon que capable élargir un milieu social autour, mais milieu politique autour, et c'est espace tout capable faciliter pour que les jeunes chita comprennent la vie politique en d'un pays en public.